Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Si vous voyez cette vidéo, c'est que soit on est en direct dans la newsroom qui est hébergée désormais sur Facebook at Work, puisque depuis quelques jours, on a la chance de pouvoir tester cet outil qui, je pense, va quand même être assez intéressant à suivre pour les entreprises. Tout ce qui est collaboratif, évidemment, est quelque chose qui est en train d'impacter la manière dans laquelle les entreprises fonctionnent. Alors, on sait, hein, c'est pas nouveau, il y a des softs qui existent, il y a des plateformes qui existent dans les entreprises pour travailler de manière collaborative, essentiellement en remote, à la Salesforce, et notamment Slack, que j'utilisais beaucoup, que je continue à considérer comme étant un très très bon outil. Mais ça fait 3-4 jours là, que j'ai l'occasion de jouer avec Facebook at Work, et il n'y a rien à faire, la grammaire de Facebook. Bah, beaucoup de gens la connaissent, ça devient très très naturel de l'utiliser. Le fait de fonctionner par des groupes. Et là aussi, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ah, coucou, je vois quelqu'un qui réplique, je ne sais pas qui c'est. Allons-y, discutons, puisqu'on est entre nous quand on est en direct. Alors, si vous voyez cette vidéo qui n'est pas en direct, ça veut dire qu'elle a été exportée, puisque désormais, bah, c'est dans la newsroom avec mes étudiants. Principalement de l'IEX, le FJ aussi à Lille, je crois que ça commence déjà, de l'ISIC aussi à Rabat, que je vais travailler, et pas que avec eux, puisque les masterclass qui arrivent ici en février et en mars, ça va être chargé, on aura l'occasion de pouvoir rencontrer beaucoup, beaucoup de gens qui vont nous faire le plaisir de venir interagir avec les étudiants sur place. Au Creative Spark de Mont-Saint-Guibert, mais aussi à distance. Voilà. Et la newsroom, bah, va être cet endroit un peu privilégié dans lequel on va pouvoir interagir, où il y aura des contenus exclusifs, puisque toutes les vidéos en live se dérouleront là-bas. Et donc, il faudrait avoir un pied dedans pour pouvoir y avoir accès sur les lives. On partagera, hein, plein de choses. Je pense qu'on reste dans le même état d'esprit où on est ce qu'on partage. Et donc, mais peut-être qu'on partagera des choses qui seront un petit peu plus travaillées que du brut, que du live, en tout cas, qui sera brut. Voilà, y a plein, plein d'intérêts à pouvoir fonctionner comme ça. Ça reste un endroit dans lequel j'espère que les gens qui y seront bienveillants. On était 600 dans le Slack, avec un taux de participation qui était pas énorme, mais où la qualité était là. Je pense qu'on devrait pouvoir augmenter encore ce niveau de participation et d'engagement en étant dans Facebook directement. C'est ça qui va être pas mal aussi, avec toutes les conversations par groupe. Voilà. Et volontairement, j'ai pas mis beaucoup de groupes en route pour que ce soit vous qui vous empariez de l'outil et de voir un petit peu comment on va s'en servir. Évidemment, chaque Mastercamp aura son propre groupe. Que ce soit les journalistes, que ce soit ceux en marketing, pub, en relations publiques. Relations publiques, c'est d'ailleurs la prochaine Mastercamp, la semaine prochaine. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, il y aura déjà des invités qui viendront aussi. Et donc, voilà, on va documenter tous ces processus-là, notamment grâce à Arthur, qui nous a rejoint au sein du lab depuis le mois de novembre. Rémi aussi, qui continue, qui réembranche pour un an, qui va continuer à documenter en photo, en vidéo. Voilà, ça va être intense ces mois de février et de mars. Coucou aussi à Scan et à l'équipe de Paris Match Belgique. Voilà, Scan qui est allé les rejoindre et qui a participé au lancement. Je pense que c'est une belle aventure. Voilà. J'étais censé aller à Metz lundi, demain, pour assister à Opsweb. Malheureusement, ma petite famille est décimée pour l'instant. Mon épouse, mes enfants sont tous malades, donc je ne pourrai pas me rendre en France demain. C'est pas jouable, c'est juste pas jouable. Je reviens 2 secondes aussi sur ce qu'on a fait avec les étudiants de l'ISIC au Maroc la semaine dernière, qui était vraiment très très intéressant. On a couvert en mode Mojo plein de bonnes choses. On a créé un média sur Medium, master-procan.net. Allez jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Les étudiants se monte en puissance sur ces outils-là aussi, ils deviennent pleinement médias. Et on a couvert pendant 4 jours, 5 jours même, la visite officielle de Rudy Demotte, qui était venu, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui était venu inaugurer une école belge à Rabat, à l'occasion, bah, de se mettre en projet, voilà, avec les étudiants. C'était vraiment très très intéressant, très heureux une nouvelle fois d'avoir collaboré avec l'ISIC. Et voilà, ceux qui sont intéressés, évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le groupe ISIC Procan
dans la newsroom, puisque c'est là qu'ils vont continuer à travailler, qu'ils vont continuer à préparer leurs articles avant de les publier sur leur publication Medium. Voilà. D'autres groupes qui vont sans doute se lancer, c'est des groupes plus liés à l'actualité. Il y a déjà un groupe qui parle de tout ce qui tourne autour de Trump. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Nos newsfeeds en sont remplis. Là, l'idée, c'est d'essayer de documenter avec un maximum d'articles pertinents, intéressants pour donner à voir et avoir, surtout avoir des conversations intelligentes et intéressantes autour de tout ça. Ça impacte tous nos métiers. Et puis, c'est vrai que l'actualité va faire en sorte qu'on va se poser sans doute ces mêmes questions-là sur ce qui va se passer en France, sur ce qui va se passer en Belgique, puisque les élections arrivent aussi et en France et en Belgique. Voilà. Que vous dire d'autre? On va garder cette vidéo courte puisqu'elle sera destinée aussi à passer dans la newsletter. Et je vous salue d'ailleurs tous ceux, aux dernières nouvelles, il y avait quasiment 400 personnes qui étaient abonnées à la newsletter du Lab. Cette vidéo passera aussi dans la newsletter. Bonjour à vous, merci de votre confiance. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous rejoindre dans la newsroom. On va vous laisser l'adresse du formulaire à remplir pour pouvoir nous rejoindre, puisque voilà, cette newsroom elle est ouverte, mais faut s'essuyer les pieds avant de rentrer. Voilà, c'est un peu le principe. Si on veut faire en sorte de continuer à avoir un endroit, voilà, qui reste un endroit un petit peu protégé, quand même, pour que les étudiants et pour que tous les passionnés qui nous font le plaisir de nous rejoindre puissent voilà, réfléchir, discuter de manière ouverte et posée. Ça n'empêche pas qu'on peut troller un peu, hein, ça fait partie du jeu, mais soyons un peu malins aussi. Voilà. 6 minutes 45, c'est largement suffisant pour une première vidéo. N'hésitez pas à réagir, à discuter. Toujours disponible par mail, bien sûr. N'oubliez pas de télécharger aussi l'application Workplace et Workchat. Ça va vous permettre directement d'interagir dans la newsroom. Et puis voilà. À la semaine prochaine. Bye bye. Bonne fin de week-end, je pense qu'on peut dire. Ciao.